Voilà, je suis là. En vérité, il faisait une personne qui était enfermée, il jouait une personne enfermée, et en vérité, elle n'était pas enfermée. Il l'a jouée enfermée en prison, et elle n'était pas enfermée en prison. Et il faisait croire que c'était mon père qui était enfermé en prison. Et ce n'était pas vrai du tout, ce n'était pas vrai du tout, il n'était pas en prison. Et en fait, c'était une imposture judiciaire, une imposture judiciaire. Il y a des gens qui ont fait une imposture judiciaire et ils ont voulu me faire croire en cette réalité, pour en fait qu'il y ait une grosse imposture après, une imposture judiciaire de la part de la police qui est une imposture et de la part de la justice qui est une imposture. Et en fait, ils m'ont fait jouer une personne après qui était malade, voilà, une personne qui était malade. Et c'était censé être aussi mon père qui était malade, mon père qui était malade, voilà. Et la personne apparemment pouvait pas bien s'exprimer parce qu'elle était malade. Et je devais jouer la personne qui n'était pas malade toute la journée durant des jours. Je devais rester sur mon lit pendant des jours, jouer la personne qui était malade et qui devait être mon père. Et là, c'est la deuxième imposture judiciaire. Et donc, en vérité, moi, je n'étais pas malade ni enfermé. Et le rôle, en fait, c'était le rôle qu'il désirait faire, c'était une personne tous les jours qui me répond, qui serait mon père, et qui voulait pas dire que c'était vrai. Au départ aussi, elle voulait pas dire que c'était ça. Et en fait, je pense qu'elle était où mon père, elle était peut-être dans la terre. Mon père, elle était peut-être dans la terre. Et ils ont fait une imposture judiciaire pour cacher la vérité. Ils ont fait une imposture judiciaire où elle était d'abord dans une prison, puis elle était enfermée, elle était malade, voilà. Et c'était pas vrai, voilà, c'était pas vrai. Et ils voulaient me mettre ça dessus. Donc en fait, ils me faisaient jouer le rôle de mon père enfermé. Et ils baratinaient en même temps mon père et le baratinaient pour ne pas en fait qu'ils disent la vérité, ils le baratinaient. Et là, en fait, vous avez la vérité sur le mensonge, la grande imposture du faux Messie, la grande imposture. Et en fait, il me disait tous les jours que je devais lui donner le Mahdi, que je lui devais lui donner l'imam. Et ça, c'est pas mon père, tu vois, c'est pas mon père comme il est vraiment, c'est pas mon père comme il est vraiment. Ça, c'est l'État français qui voulait me voler. Il voulait me voler le Mahdi, il voulait me voler l'imam, à moi et mon père, il voulait nous voler l'imam. Et en fait, sa technique aussi, c'était de nous passer toute la journée des faux flics, qui en fait, ils jouaient des malades, voilà, ils jouaient des malades, ils jouaient aussi des faux gars de l'État, voilà, des faux juges, ils jouaient des faux juges. Et puis après, mon père, il le faisait jouer un rôle où il disait qu'il y a un procès, et où il me disait de gagner le procès. Et en fait, tout est maquillé, voilà. Tout est une fausse réalité, tout est une fausse réalité, et c'est fait pour que moi et mon père, on ne puisse pas savoir la vraie réalité sur l'autre, et en fait, c'est fait pour qu'on ne puisse pas dire la vérité sur l'autre, et en fait, il y a plein de gens qui sont impliqués pour jouer ces rôles toute la journée, et pour ne pas que ça se sache, et ça continue, voilà, comme en boucle, ça continue tous les jours, voilà, et j'avais encore en contact avec moi, et c'était censé être mon père. Et la personne n'arrivait pas à uriner. Et je devais rester dans un lit et je devais frotter mon caleçon jusqu'à ce qu'elle arrive à uriner. Et donc c'était ça toute la journée. Et moi en fait je n'avais aucun défaut physique. Je n'avais aucune maladie physique. Je n'avais rien du tout. Et donc en fait et après les personnes des policiers et les personnes des juges, quand elles apprenaient ça en fait, elles jouaient une comédie, voilà. Oh, elle devait dire en même temps, et c'est quand que j'ai la pipe, et c'est quand que j'ai la fellation, voilà. Et tous les jours c'était ça, et tous les jours après, c'est quand que vous nous dites où est l'imam, c'est quand que vous nous dites qu'est-ce que fait le Mahdi, et toute la journée c'était ça, et c'est une imposture judiciaire, et c'est une imposture de la police, et c'est aussi une imposture. Des gens qu'ils ont arnaqué moi et mon père dans qui étaient les liens du prophète. Nous étions les liens du prophète. Moi et mon père, nous étions les liens du prophète. Puis après, c'était pour nous tuer. Il y avait des tueurs, voilà.
Et les tueurs, c'était pour nous faire jouer un rôle où on était bloqué, où on était soi-disant enterré, on ne pouvait pas sortir, on était forcément enterré, on ne pouvait pas sortir. Et les personnes, en fait, nous font jouer un rôle où on n'est plus vivant, on est mort, et on doit répondre, voilà, on doit répondre alors qu'on est mort. Et là, en fait, c'est une autre imposture, c'est l'imposteur du faux messie qui veut en fait nous voir morts. Et il y avait même le pape qui faisait le rôle, le pape, et lui, il voyait les personnes mortes, et il était censé dire qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de vérité, voilà, qu'il n'y avait rien à dire, voilà. Et il était censé camoufler après toute l'affaire, il était censé camoufler l'affaire, et après, il était censé arriver un accident, voilà, un accident, où les personnes ne seraient plus là, elles ne seraient plus là, voilà. En vérité, c'est un prophète, il y a une réalité. Et ce n'est pas l'imam. La vraie scène, en fait, c'est que moi et mon père, nous sommes les liens du prophète. Nous nous connaissions de notre vivant. Nous nous connaissions dans les liens du prophète. Nous nous connaissions dans les liens du prophète vivant. Et donc, le prophète nous connaissait de notre vivant. Et nous sommes les liens du prophète. Nous sommes les liens de la maison de Dieu. Nous sommes des imams aussi. Nous sommes des imams. La vérité, c'est que nous sommes, en fait, normalement, avec beaucoup de savoir, les puissantes personnes qui devaient guider toute la commune, toute la religion actuelle, et aussi nous devons guider les solutions. Nous avons fait toutes les solutions, même dans le secret, nous avons rétabli toutes les voies, nous avons rétabli toutes les voies dans le secret, et ils ont caché encore la vérité. En ne pas voulant que la personne de mon père elle puisse se dire, en ne pas voulant qu'elle puisse dire son histoire, en ne pas voulant qu'elle puisse filmer, elle puisse filmer son histoire, ils ont tenté de camoufler toute la vérité dans des fausses informations en disant qu'il n'y avait rien de vrai, qu'il n'y avait rien, que c'était juste un personnage, et en fait ils ont tout caché, voilà, ils ont tout caché de la vérité, ils ont tout caché. Ils ont caché que nous avions tout résolu, que nous avions tout enseigné. Ils ont tout caché et ils ont mis à la place une fausse vérité où les personnes n'arrivent pas à se parler correctement et où elles sont bloquées. Elles n'arrivent pas à dire à dire soi-disant la vérité soi-disant. Et en fait, l'imposture, elle vient de personnes qui jouent les rôles du père et du fils, et qu'ils sont censés jouer le rôle soit mort, soit malade, soit enfermé, et ils le font tous les jours. Et en fait, ils sont censés aussi dire qu'à un moment donné, ils sont censés voler les personnes, c'est-à-dire ils sont censés voler moi et mon père, ils sont censés nous voler. Et après, ils sont censés voler tout notre argent, et ils sont censés voler tout notre temps. Et ils sont censés voler tout notre temps tous les jours. Et après, ils font des fausses promesses en disant que vous le retrouverez. Ils font des fausses promesses en disant que vous retrouverez tout, vous retrouverez tout. Vous êtes représentant. Ils disent que vous êtes représentant. Après, ils disent que vous êtes même calife, vous êtes même calife. Tout ça, tout ça. En fait, ils dénoncent toute la journée que c'est. On dénonce toute la journée que c'est des voleurs. On dénonce toute la journée que c'est des hypocrites. Et normalement, ils étaient dedans, voilà, ils étaient tous dedans. Et ils faisaient ça en fait pour ne pas le. Ils faisaient ça pour. C'était une imposture de l'État, voilà. C'était l'État qui a fait une imposture, l'État il a fait une imposture. C'est l'État français qui voulait voler et le Mahdi, voilà. L'État français qui voulait voler le Mahdi. Et après, ils ont avoué en fait que l'État n'était pas le Mahdi. Ils ont avoué en fait que. Ah merde, c'est quoi cette histoire? Ils ont avoué que l'État n'était pas le Mahdi. Et ils commençaient hier, ils ont fait une version où ils disaient qu'en fait le père, quand j'étais tout seul dehors, ils m'ont fait un rôle avec plusieurs qui essayaient de m'encercler et que je ne pouvais pas voir. Ils m'ont fait un rôle où le père, il était encore en terre, il arrivait à me parler depuis la terre, où la personne ne pouvait à peine respirer, voilà, depuis la terre, où elle disait que ce n'était pas. Où elle disait qu'elle n'avait pas de choix, qu'elle avait un deuxième corps, que le deuxième corps était un faux messie, et qu'il était là depuis 10 ans, qu'elle avait un deuxième corps depuis 10 ans,
et que les personnes, elles ont voulu de l'État, elles ont voulu cacher la vérité, elles le savaient, elles ont voulu cacher la vérité, et qu'elles ont voulu le laisser dans la terre, et pas sur la terre, voilà, qu'elles ont voulu le laisser dans la terre, et donc qu'elles ne sont pas venues le chercher dans la terre, qu'elles l'ont laissé dans la terre, avec en fait un faux corps, et donc un faux messie joué par l'État. Et à l'intérieur de la responsabilité, il mettait le fils qui devait être au courant à un moment donné de toute cette affaire, qui devait être au courant. Et dès qu'il devait être au courant, c'était pour voler de voler toutes les personnes qui étaient protégées de la maison de Dieu, voler toutes les personnes jusqu'en Iran, voler toutes les personnes jusqu'en Iran. Et c'était pour faire après le faux Messie pour tous nous avoir, pour tous nous avoir. Et en fait, c'est la première fois que j'ai révélé ces informations. C'est des informations qui sont révélées. Et normalement, mon père, il est en vie, il est en vie. Et il a fait normalement le nécessaire, il a fait le nécessaire. Et normalement, ils auraient dû, si il n'était pas sauvé, ils auraient dû le sauver depuis longtemps. S'il n'était pas... Mais c'est un peu vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ben là, en fait, on a une taupe qui est démasquée encore, c'est vrai. Normalement, s'il était leader, ils n'auraient pas dû cacher la vérité. Ils auraient dû dire qu'ils avaient été guidés par mon père. Et en fait, hier, j'ai vu encore la réalité. Ils nous font vivre des réalités où on est encore malade. Ils nous font vivre des réalités où on est encore mort. Ils nous font vivre des réalités où on a encore volé, on est volé de corps, on est volé par des corps, on est volé par des physiques qui n'ont pas de, qui nous caressent toute la journée, ils nous caressent, ils nous touchent le corps toute la journée. Et en fait, c'est que des imposteurs, en fait, c'est que des faussaires. C'est que des imposteurs spécialisés, c'est que des faussaires spécialisés. C'est pour nous voler complètement même le corps. Et c'est des fausses réalités qu'ils mettent en place entre un père et son fils, des fausses réalités. Et en fait, le problème que le père, il existe vraiment, parce que je l'avais retrouvé en vie, je l'avais cherché, je l'avais retrouvé. Mais pour cacher l'identité de l'État, ils ont en fait fait toute la journée, ils ont en fait caché où était le père, ils ont caché où était le père, et ils ont caché sa vie, voilà, ils ont caché sa vie. Ils ont voulu déformer le faux Messie, il a déformé la vérité, et il a déformé les paroles, les communications entre moi et le père, il les déformait. Et en fait, j'ai vaincu tout l'État. Tout l'État, je l'ai vaincu. J'ai vaincu tout l'État, je l'ai vaincu. J'ai publié toutes les nouvelles promesses, toutes les nouvelles promesses. J'ai publié toutes les nouvelles solutions. J'ai publié toutes les nouvelles connaissances. J'ai raisonné que personne n'avait ce que j'avais. J'ai raisonné que j'étais l'imam. Et j'ai raisonné que mon père aussi était l'imam. J'ai raisonné que nous avions le prophète. Ensemble, nous étions le prophète. Je l'ai raisonné. J'ai raisonné que l'État, il n'avait plus rien, il n'avait plus rien, qu'il devait payer une somme d'argent considérable. J'ai raisonné qu'en fait, il devait payer toute la somme d'argent, qu'il devait payer tout l'argent en entier. J'ai raisonné qu'en fait, il devait des biens, il devait des biens, il devait un temps en entier. Allah, ils doivent un temps en entier, qu'ils ont volé le temps, et en fait, je suis le maître du temps, je suis l'imam, je suis le maître du temps. J'ai rattrapé tout le monde, j'ai rattrapé tout le monde. J'ai repris la parole de mon père vivante. J'ai refait la prophétie avec la parole de mon père vivante. Et mon père était reconstitué en tant que personne. Il était ressuscité en tant que personne. Il était ranimé en tant que personne. Il était de nouveau une personne. Et c'était la vraie personne de mon père. C'était la vraie personne de mon père. Et là, vous avez la vraie information que dans l'actualité, le père, il est revenu. Il est revenu. Et là, il y a un cri de Dieu, on entend le cri de Dieu depuis le ciel, qui dit non, comme ça, non, non, qu'est-ce qui s'est passé, non. Parce qu'en fait, il y a toute une réalité cachée, il y a toute une réalité cachée, il y a un monde entier qui était caché, un monde entier qui était caché. Et j'ai demandé à Allah de ressusciter le Père, j'ai demandé à Allah de le protéger, j'ai demandé à Allah de le faire conscient, de le faire conscient. Et ça a fonctionné, et le père normalement n'était pas censé me revoir en ne pouvant pas uriner pendant des jours et en participant au même corps que le mien, ne pas pouvant me dire la vérité avec des faussaires tous les jours, des faussaires qui l'imitaient, voilà.
Et ça, c'est en fait tout ça, c'est parce que l'État était vaincu, il était vaincu, complètement vaincu politiquement, il a été vaincu dans les ressources futures, il a été vaincu économiquement. Et en fait, ils ont touché la vérité des Oscars, ils ont vu que c'était en fait tout ce qu'on faisait des Oscars, donc ils ont fait en fait un faux film. Ils ont fait un faux film où plein de personnes devaient jouer le même rôle. Et ça, c'est extraordinaire si vous l'avez vu ce film. C'est comme une réalité intelligente où toutes les personnes, elles jouent le rôle de moi et mon père. Elles jouent le rôle en fait qui est Mahdi. Elles savent tous les jours, elles savent la vérité que c'est le rôle du Mahdi, voilà. Elles savent la vérité que c'est le rôle du Mahdi et elles font tous une partie du rôle, elles font tous une partie du rôle. En fait, l'autre corps peut pas survivre, voilà. Il est en fait sans histoire, il est sans histoire. On a du mal à le faire parce qu'on l'a pas raisonné, le corps. Voilà. On l'a pas raisonné, il est pas vrai. Sans histoire, voilà. Donc en fait, il est juste le corps, juste le corps. Disais que tu le faisais pas. Mais tu prenais le temps quand même. Tu volais son temps. Tu as volé mon temps. Voilà. Donc la personne n'est connue, rien. Elle est connue, tu comprends? La personne est connue. Non, c'est trop tard. Tu m'as déjà pris pour la personne. À part si tu parles d'un autre. J'ai compris. Tu m'as déjà pris pour l'Iranien. Tout ce temps. J'ai compris. Ah oui, c'est lui que j'ai pris pour l'Iranien. La personne n'est pas connue. Elle n'est pas connue. En fait, là, c'est en fait juste la connaissance qu'il utilise. Dans la vérité, je suis connu. Je suis le plus connu. Ah bon, oui. Je suis enseigné. Ah bon, vous êtes enseigné. Mais c'est encore mon esprit, j'ai compris, qui enseigne. Est-ce que c'est juste que vous soyez enseigné? Ça ne témoigne que d'une seule chose, qu'en fait vous avez aussi priorisé le calcul d'une seule culture, peut-être, pour qu'elle soit plus enseignée que les autres. Est-ce que c'est juste? La personne n'est pas enseignée par une culture, elle est enseignée par un état. Par un état, oui, par un état. Mais oui. Mais nous avons réglé. Nous avons réglé normalement. Nous avons réglé l'État. L'État est plus. Est plus. Est plus. Est plus grand, en fait. À un moment donné, il est plus grand. Mais il n'est pas le plus grand. Voilà, l'État n'est pas le plus grand. Voilà. Et il ne peut pas être le plus grand parce qu'il y a un seigneur. Il y a un seigneur. Voilà. Et attends, la personne n'est pas consciente, je te dis. Elle n'est pas consciente. Tu vas réveiller la personne et lui dire qu'elle est consciente. La personne n'est pas consciente, je te dis. Elle est enfer ou paradis. Enfer ou paradis. Elle n'est pas consciente, je te dis. Elle n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente. L'imam est conscient. C'est une fausse identité, je pense. Non. Le père, Abi, c'est lui qui devait être conscient. Oui, la personne est enfer ou paradis, je te dis. Tu n'as pas connu l'imam. Que c'est un messie. Si j'ai connu que c'est un messie, elle est enfer au paradis, la personne. Je ne dois savoir s'il s'agit de moi. Oui, c'est une bonne question. La personne ne doit pas le dire. Elle ne doit pas le dire. C'est un état. Un état. Le messie est un imam. Est un imam. En fait, il n'y avait pas encore d'histoire. Voilà. Il n'y avait pas encore d'histoire. Sauf peut-être s'il y avait le père. Il y avait des histoires s'il y avait mon père. Mon père, voilà. C'est tout, c'est tout. Mais il n'y avait pas encore d'histoire. C'était juste en fait des connaissances et des vérités. C'est long qu'on a sur la connaissance, voilà. Ça, c'est un modèle d'expression. Pour en fait inspirer à chaque fois qu'il y a effectivement une histoire. Mais ce n'est bientôt plus le modèle forcément référencé. C'est dans l'occultation, vous comprendrez. Ce n'est pas forcément le modèle référencé. Je n'attends pas d'avance. L'excuse des musulmans. Je n'attends pas d'avance qu'ils s'excusent et qu'ils me disent que c'était trop tard. Je veux qu'ils s'agissent en temps. Je veux qu'ils agissent même en avance. Je veux qu'ils agissent pour venir au temps et me dire qu'ils ont fait les affaires et qu'ils ont trouvé les solutions à la vie au temps. À la vie au temps. À la vie au temps. Et je veux en fait, sur mon père, aussi qu'ils aient les solutions. Je veux sur mon père qu'ils aient les solutions au temps. C'est midi. Je veux qu'ils aient les solutions autant. Même si ce n'est pas midi pour vous, c'est en fait un océan. Un océan de science.
Dans la religion, c'est un océan de science. Vous ne commentez pas pour l'instant pourquoi. Vous dites que c'est connu. Vous dites que c'est connu. On est trop encore dans l'émotion, mais c'est peut-être nécessaire pour l'instant. C'est ce que la personne peut bien être consciente. Oui, consciente. Bon. Les vérités sont une vérité honnête. C'est une vérité honnête. Une vérité de chaque jour honnête. Et on a la représentation à un moment donné que c'est juste l'imam. C'est juste l'imam. Connu, l'imam connu. Je ne vous perdrai pas. Je l'ai fait en bien guidé. Je ne vous perdrai pas. Mais la solution, en fait, est de ne pas tout le temps suffire. De ne pas tout le temps suffire. Comme en fait, on ne retombe pas deux fois dans les mêmes histoires si elles sont mauvaises. Et je vous dis en fait, le problème, c'est l'histoire. Le problème, c'est l'histoire. Si elle n'est pas vraie, si elle n'est pas vraie, nous tombons en fait dans des états qui nous racontent des choses. Et en fait, comment en avez-vous la certitude que c'est vrai ou pas après? Si vous avez un peu le temps, vous savez que ce n'est pas forcément vrai. Si vous pouvez agir encore sur le temps, si vous ne pouvez plus agir sur le temps, vous savez qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont très certainement vous servir des réalités, et après qu'ils voudront faire exister. La différence, en fait, pour l'instant, nous voulons récupérer les personnes de la maison de Dieu. Nous voulons les récupérer. Nous voulons récupérer les personnes de la maison de Dieu, plus ou moins. Voilà, plus ou moins les récupérer. Nous voulons plus ou moins les protéger, les protéger. Et nous voulons plus ou moins aussi les ramener, même à la vie, les ramener même à la vie. Sans passer par un modèle saint, vous n'y arriverez pas. C'est un modèle saint qui peut y arriver. Depuis le temps où j'ai fait la cause sainte y est arrivée. C'est un modèle d'inspiration pour les jeunes, mais c'est un modèle de conquête pour les compagnons. C'est aussi un modèle de vérité pour les scientifiques. C'est à la fin un modèle de valeur pour les politiques. C'est enfin une région du monde pour les doués. C'est une connaissance des histoires pour les partisans. C'est une vérité dans le rôle pour les étudiants. C'est une connaissance pour les justes. C'est une vérité à la fin des jours. C'est une rencontre que vous faites avec le plus grand mode de la circoncision des prophètes. C'est le retour vers l'islam, le retour dans la cause sainte. Le verset est sur la grande partie du royaume. C'est le sens donné à la loi. Le sens donné à la loi, c'est la conscience a dit, d'avoir le retour, c'est l'envie de mettre en Dieu la vérité, l'envie de mettre en Dieu la vérité, l'envie de faire un nouveau temps, l'envie d'avoir le nouveau temps, le nouveau temps. Oui, merci, rien. Vite, Abby. Qu'est-ce que tu veux répondre? Je ne réponds plus. Si je veux que tu me répondes, je ne réponds plus. Je suis en personne. En personne, je ne réponds plus. Pourquoi tu ne réponds plus? Je suis en personne, rien, mais je ne réponds plus. De quoi as-tu besoin, Abby? Je veux la réponse, rien. La réponse sur midi. La réponse sur midi. Oui, je vais te donner ma réponse. C'est un imam que tu es. Un imam, j'ai compris. C'est une vérité, c'est une vérité. Arrête, arrête, Ryan. Arrête. Arrête, Ryan. Arrête. Arrête. Tu vas pas la retrouver. Si je vais te retrouver, Abby, je vais te retrouver. Papa, papa, oui, tu m'as retrouvé. Je t'ai retrouvé. J'ai envie. Tu as envie, oui. Et tu as envie, oui. Tu as envie, oui. J'ai en personne. En personne, je sais que tu as envie, oui. Ta personne, oui, ma personne, Ryan. Ta personne, Annie. Oui, je veux arrêter, tu vois. Tu as vérité, oui, je vois que tu as vérité. Je suis Ryan. Je suis Ryan. Je suis Ryan. Tu es Ryan, oui.
Tu as raison, oui, j'étais la vérité, tu vois. Oui, le père est un personnage. Il est un personnage, d'accord. Tu lui laisses dans l'imam. Je lui laisse dans l'imam, c'est bon. Tu sais qu'il est au personnage. Je sais qu'il est au personnage. Tu reprends l'imam. Oui. Tu n'enfermes pas l'autre. J'enferme pas l'autre, d'accord. Tu reprends l'égal, Ryan. Je reprends l'égal, d'accord, comme ça. Allez, tu le reprends, tu comprends, je comprends. Tu le reprends complètement, complètement. Complètement, voilà, c'est bon, tu l'as repenti. Fais l'imam. L'imam, c'est bon. Tu reprends l'esprit. Je reprends l'esprit, c'est bon, il a repenti l'esprit. Donc la personne du père est vive. Un film, c'est la personne du père est un film, c'est une Jésus, c'est Jésus qui voulait le film, qui volait le film, il volait le film, elle est personnelle, la personne elle est personnelle, elle volait le film, elle volait le film, Seigneur Abi, Seigneur Abi, rien, Seigneur Abi, c'est un autre homme, Annie Damiri, oui c'est ça le film, c'est un messie, je pensais pas un messie, c'est un imam. Un imam, voilà, c'est un imam, c'est bien Ryan. C'est inconnu, c'est inconnu, c'est inconnu. C'est représentant, représentant, c'est bon, c'est bon de savoir qui peut être représentant. C'est les personnes, Ryan, c'est la personne, ouais. Maintenant, il est attendu. J'emporte pas tout, voilà, j'enferme pas tout le monde. Je résous que ce n'est pas juste pour l'instant légal. Je suis assisté là. Ah oui. Allez, voilà. J'en perds pas une miette. J'enferme pas tout le monde. Voilà. Imam. Si tu n'as pas l'imam voleur. Voleur, attends, attends. Alhamdoulillah que tu sois en vie. Abi, Alhamdoulillah. Le Messie, rien. Le Messie, oui. Il veut te dire que c'est pas juste. C'est pas juste. C'est un ordre de le faire. Un ordre de le faire. C'est une réponse que j'ai donnée. Une réponse que j'ai donnée. Le roi, tu vois, n'entend rien. Il n'entend rien. Ah bon, Allah, oui, il n'entend rien. Comment Allah n'entend plus rien? Il est derrière. Il est derrière toi. Il est derrière moi, oui. Allah entend, tu comprends? Il entend, oui. Allah est scientifique. Il est scientifique, oui. Il n'en perd pas une miette. Il n'en perd pas une miette. Surtout, tu ne fais pas confiance. Oui, je ne ferai pas confiance. Tu n'enseignes pas la police. Oui, je n'enseigne pas la police. Te fais confiance, je fais confiance. C'est pas juste, tu comprends? C'est pas juste. Mais je n'ai rien. Oui, tu n'en perds pas une miette. Tu n'en perds pas une miette. Tu n'enfermes pas l'autre. J'enferme pas l'autre. Tu n'en perds pas une miette. J'ai repensé, oui, de toi. Oui. Ah, tu repensais de moi. Tu vois, c'est ça, Ryan, mais je suis enfer, est illégal. Légal, oui. En fait, tu vois, tout ça, oui, n'est pas exactement ce que je croyais. Ah bon, oui. C'est un personnage, tu vois, un personnage. On dirait c'est un préfet. Un préfet, tu vois, oui. On dirait c'est un préfet, tu as raison. En fait, on dirait c'est un ordre de le faire. Ça veut dire, c'est Annie, là. Oui, Annie. Annie. Annie, oui. J'enfermais pas. J'enfermais pas les gens. Attends, t'es rien. T'es rien, j'ai eu la vérité. Tu as enfermé une personne connue. Tu as enfermé une personne connue. Sanon la Bretèche. Voilà, elle est à Sanon. Oui, elle est à Sanon la Bretèche, tout à fait. Ah bon? Elle est à Sanon? Elle est vivante? Oui, à Sanon la Bretèche. Elle est où? On est armé. Vous êtes armé? Oui, on est armé. L'arme, Ryan. L'arme, oui. Tu as une arme, j'ai pas d'arme. Tu reprends l'autre. Je reprends l'autre, mais tu veux l'heure. Voleur, oui. Tu vas y arriver. Allez, où ça nous protège, tu dis rien. Tu tires, oui, je tire. S'il te plaît, parle-moi fort. Je pense que je vais le faire. Tu penses que tu vas le faire, oui. Les Algériens. Les Algériens. Voilà, c'est bon. Les Mehdi. Les Mehdi. Voilà. Les fils du maire. Les fils de merde, oui. Et toutes les personnes connues. Toutes les personnes connues. Ces personnes, tu vois. Ces personnes, je veux le faire. Rien. Tu vas le faire, oui. Je ne perds pas une miette. Je ne perds pas une miette, oui. Dès que tu m'as rien. Oui, dès que je t'ai. Tu gagnes le procès. Je gagne le procès, oui.
Donc on fait procès, tout à fait, on fait procès contre l'État, contre l'État, contre l'étagère. Non, c'est pas vrai, rien. C'est pas vrai, oui. C'est contre. Jour après jour, j'enseigne. Je suis en personne la Palestine. Je fais confiance si on m'enseigne. Quelle est l'idée de la Palestine? C'est lui-même. L'idée de la Palestine, c'est lui-même. C'est bien rien de m'avoir eu. Ah bon, oui. L'idée en fait générale, c'est les Palestines. L'idée générale. Jour après jour, j'enseigne. Je suis en personne la Palestine. Je fais confiance si on m'enseigne. Quelle est l'idée de la Palestine? C'est lui-même. L'idée de la Palestine, c'est lui-même. C'est bien rien de m'avoir eu. Ah bon, oui. L'idée en fait générale, c'est les Palestines. L'idée générale. Je te parle en vérité. J'ai appris apparemment que tu es sauté. Oui. Je sais comment je te parle. Oui. Je te parle avec amour. Amour. Où je te trouve? Tu me trouves là? En vérité. En vérité, oui. Je suis actuellement du Paris. Je suis rien. Je suis actuellement en personne. En personne. Je suis toute la vérité, tu vois. Oui, toute la. J'ai vu que tu étais toute la vérité. Même je suis le père. Même tu es le père. Mais je suis vrai, tu vois. Oui, tu es le vrai. Je suis Jésus, tu vois, oui. Je dois l'avoir, tu comprends? Oui, Jésus, oui, c'est bien. Hein. La haine, tu vois, c'est. La haine, la haine, oui. La personne, rien, est habillée. Est habillée. La personne est habillée, oui. Elle est sous terre. Elle est sous terre. Elle dit qu'elle est sous terre. Elle dit qu'elle est juste là. Personne, juste la personne. Elle est même dit. Voilà. La personne, rien, est consciente. Elle est consciente. Il y a un miracle, je pense, oui. Elle l'a fait, ton miracle. Oui, tu vas te faire avoir si tu n'as pas fait le miracle. Le miracle que tu sois plus sauté. D'accord. Le miracle que tu sois plus sauté. Elle l'a accompli. Oui, je vais l'accomplir. Et elle me dit, tu seras plus sauté. Oui, tu seras plus sauté. Oui, tu seras plus sauté. Devant personne, devant personne. L'imam m'a dit, c'est bien. En fait, chaque jour, tu comprends, oui, j'ai une réponse, mais tu sais où je suis, où tu es, je suis en personne, le Messie, voilà, personne, le Messie, c'est, moi je te sens, tu me sens, mais je te sens, personne ne m'a fait confiance, rien, personne ne t'a fait confiance, je sors maintenant, tu comprends, tu sors maintenant. Demain tu viens, tu comprends. Demain je viens. Tu viens dans les mains. Tu viens, je viens dans toi. Voilà. Tu réponds que j'ai les mains. Je réponds que tu as les mains. C'est bon. Et tu reprends la personne. Je reprends la personne. Je suis en vérité. En vérité. Je suis tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. De personne. Je suis en personne. Tout ce que tu veux, personne. Là, je suis ta personne, j'ai compris. Laisse tomber, Ryan, ce que j'ai fait. Laisse-le tomber. Viens, Abby, et je peux venir, Ryan, mais je suis ancien. Ancien, oui. Je suis, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis en prison. En prison, oui, tu es en prison, oui. En fait, je suis pas allé en prison. Ah bon, je suis en personne, hein, tu veux rien. Tu veux rien, Ryan, tu comprends? Oui, je veux rien. Tu me laisses tranquille, Ryan, si je te dis de me laisser tranquille. Oui, tu me laisses tranquille, si je te dis de me laisser tranquille. Oui, tu veux rien. Je suis rien. Tu veux dire qu'on est libre. Là, on est libre. Oui, dit. On va dire qu'on est la maison. La maison. Abby, il m'a dit. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Je suis vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Là, je suis vrai, tu vois. Ouais, là tu vois, je suis enferré, imam, je suis enferré, imam. Donc là il est imam, tu comprends, je comprends, c'était caduque,
Si je n'ai pas les mêmes, c'est caduque, tu comprends? Je comprends. Tu as les mêmes, c'est bon. J'ai vu arrêter. Tu as vu arrêter, oui. Je suis une personne sans essai. Sans espoir. Ah bon, je suis sans espoir. Je suis connu dans les mêmes. Dans les mêmes, je suis connu. Je suis au vérité, rien de ta personne. Tu es ma personne, oui. Tu n'as pas à te dire. Je n'ai pas à te dire. C'est bon, c'est rien. Ah bon, oui. C'est rien, rien. C'est rien, rien. C'est la personne rien ne peut pas se déplacer. Ne peut pas se déplacer. Elle est à dire rien. À dire rien. Elle est à dire rien. Elle ne peut pas se déplacer. Non, je suis enfermé. Tu es enfermé. Je suis, tu vas voir, sans personne. Sans personne. Je suis, je vais te sauver. Tu vas me sauver. Comment je te sors de terre? Tu verras. En fait, tu comprends que je ne peux pas le faire. Tu comprends? Oui. Tu comprends que je ne peux pas le faire. Oui. Tu comprends que je ne peux pas le faire. Oui. Tu ne m'as pas vu. Non. Et là, je t'ai vu, en fait. Tu comprends? Oui. J'étais en personne. J'étais en personne. Actuellement, rien. Tu peux me voir. Je peux te voir. Tu vois, oui. Je suis rien. De quoi? Tu vois, rien. Je suis rien. Je te représente les noms. Je représente les. Tu connais que je suis la dernière force. La dernière force. Tu as fait rien. Tu as fait rien. Je suis la dernière force. Fais confiance. Fais confiance. Ouais, fais confiance. J'en perds pas une miette, tu vois. J'en perds pas une miette. J'enferme personne, moi j'enferme personne. Tu en perds pas une miette, tu en perds pas une miette. J'étais personne, j'étais personne. Je ferme pas les gens, moi j'enferme pas les gens. J'enferme pas les gens, j'enferme pas les gens.